Le livre à l'antenne donc, Noël Mamère aime beaucoup la poésie et particulièrement Jacques Prévert. Il a choisi Soleil de nuit, publié par Gallimard, et réserve même une surprise aux amateurs de Prévert. Écoutons Noël Mamère. Un homme avait un chien qu'il appelait Amour. L'homme lui donnait à manger, le chien le léchait. L'homme caressait le chien, il le léchait aussi, quand ils étaient seuls. Parfois même, il aboyait un peu pour lui faire plaisir au chien. « C'est mon chien, c'est mon amour, disait l'homme, c'est mon homme, aboyait l'amour. » Mais un jour triste, triste, triste jour, l'homme s'aperçut de certaines choses. « Ouf, quand ce que je mange est meilleur, je lui donne moins à manger. Ouf. S'il s'en aperçoit, il se sauvera et moi, je resterai là, seul, sans mon chien, mon amour à moi. » Je vais le tuer. Et puis je le mangerai, rien ne sera perdu. Et il le tue. Et il le mange. Mais à la fin du repas, faisant le beau et sortant de dessous la table, apparaît le fantôme du chien. Machinalement, l'homme jette à l'ombre un os, mais le fantôme du chien dans son suaire se trouve très bien et n'a pas faim. Il n'a pas faim d'os. Il regarde l'homme d'un bon œil, se jette dessus et le mange. Puis il sort de la salle à manger en se dandinant, amour, tout à fait vivant. Il reprend ses couleurs et son comportement, puis il court, amour. Il court, amour, dans la ville, à la recherche d'un autre maître. Amour pour faire le beau, amour pour se faire caresser, amour pour se faire battre, amour pour se faire tuer. Amour pour dévorer, dévorer, dévorer. Eh bien, ce texte, il s'appelle Les Enfants de Bohème. Voyez que le titre n'a rien à voir avec ce qui est raconté par Jacques Prévert. Et ce texte, il appartient à un recueil qui vient d'être édité par les éditions Gallimard, qui s'appelle Soleil de nuit. Ce sont des textes écrits par Jacques Prévert entre 1935 et 1977. Je souhaite que ce petit exercice de style auquel je viens de me livrer vous ait donné le goût de vous replonger dans Prévert.